Marie-Louise! Marie-Louise! Jean-Emmanuel! Bien glisser vers l'autre bord, puisque je suis déjà le voyageur mort. C'est beau. Je l'ai écrit pour toi. Garde-le. L'oiseau bleu foudroyé qui coule dans le ciel s'écrase sur ma bouche avec un goût de miel. Et mes deux mains tendues vers l'objet de mon rêve m'arrachent une douleur qui n'aurait plus de trêve. Solitaire, égaré, au pied de l'arbre noir, je bois dans l'innocence mon premier désespoir. Et il me faudra bien glisser vers l'autre bord, puisque je suis déjà le voyageur mort. C'est Norbert qui va le découper, pour se faire pardonner de tuer ces pauvres bêtes. Combien en as-tu tué cette année? Officiellement, deux. Un au Vermont, l'autre ici. Norbert a tué au moins 200 chevreuils, mais toujours à raison de deux par an. On devrait interdire les carabines. Et chasser à l'arc? Ou pas chasser du tout? Tourne la tête. Elle fait pleurer à l'école. Et de toute manière, c'est malsain. Nous lui avons demandé à Jean-Emmanuel de cesser d'écrire. Ce matin, deux lettres. Deux du même coup. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Hein? Tu peux me le dire? Lucien, tu sais ce que ça représente pour nous de lui payer des études en Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le faire soigner. À la tête du lit, un rameau de jasmin. Sur la table, une orange bleue. Tu dors, brûlante des soleils de minuit. Femme, madone, infante réconciliée, Marie-Louise des matins. Je voulais fuir, je suis restée, émerveillée. Toi, réticente encore, attentive à te rendre en toute loyauté, attentive à attendre la fin de notre adolescence ensoleillée. Aux portes d'Âpremont, c'est une maison blanche aux volets noirs. Nous vivons à contre-saison, effeuillant patiemment le temps de cueillaison. Orchidées, lys, dahlia, myosotis, pervenche. No!
paierai mardi prochain. En Angleterre, cette chose-là se pratique également. Et ce sont des médecins qui s'en occupent. Cette personne n'avait aucun sens moral. Te faire ça à toi et se suicider en moto après. Je n'irai pas en Angleterre. Es-tu folle? Qu'est-ce que tu vas faire toute seule avec un enfant? Ou je reste ici, comme je suis. Ou bien vous n'entendrez plus jamais parler de moi. J'ai dit à mon patron, je suis malade, puis il m'a dit, rentre chez vous. T'es pas malade? Pas du tout. As-tu faim? T'en prends-tu? Non, pas maintenant. C'est qui les deux filles qui étaient avec toi, des amis de Fabienne? Non, c'est deux fatigantes de l'autre classe. Est-ce qu'on peut ramener en bas? Oh, non, ils sont malades à la piscine. OK, c'est une bonne idée. Éclabousse pas avec tes pieds. Prends ton plat, tu vas l'avoir. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit oui. Bon, là, tu vas faire deux longueurs en respirant bien régulièrement, OK? Je m'en refais. Juste deux longueurs? Non! Est-ce que je peux vous aider? Ben nerveuse, ta mère. Tu devrais dire à ton père de s'en occuper. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents? Papa, puis toi, vous étiez pas mariés? Comment ça? Ils étaient vieux. Ben non. Puisque je m'appelle Prenant comme toi. Ah, marié dans ce sens-là, non. Pourquoi? Jean-Emmanuel, il disait que quand on s'aime vraiment, on n'a pas besoin de se marier.
parents de Robert vont se divorcer. C'est Robert qui te l'a dit? Oui. Il veut rester avec son père, mais sa mère veut pas. Ça arrive que les enfants vivent avec leur père. C'est le juge qui décide. Il restera pas avec sa mère. Il l'a dit ce matin au cours de sexologie. Ah bon? Les cours ont repris? Oui. Elle veut qu'il fasse un exposé sur le divorce. C'est toujours mieux d'en parler. C'était quoi la leçon ce matin? On a parlé de la masturbation, les animaux qui se masturbent, puis des jumeaux, pourquoi on avait des jumeaux, puis de l'érection, puis de l'éjaculation. Elle dit que les animaux font l'amour seulement pour avoir des enfants, des bébés. Robert dit que ses parents font plus l'amour. Comment il sait ça, lui? Ben, c'est pas difficile. Les murs sont faits en carton dans ces appartements-là. Tiens, ça coûte cher, hein? 11,5 pour toi, puis 7 piastres pour moi. Tu vas montrer les tiens? Mm-hmm. Oh. Viens voir celle-là. Il en mange des yeux. Oh! Mm-hmm. Dans pas grand temps, tu vas voir, il va te demander de l'argent pour y acheter des pilules. Dominique! Ben quoi? Ma nièce a bien 14 ans, puis ça fait 6 mois qu'elle me vole les miennes. Oui, mais Pierre, c'est un bébé. Oh, chou! Ah. Louise, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ta mère... Quand? Cette nuit. Il est reparti? Il était pas au restaurant en face. Il a rien dit d'autre? Il voudrait te parler. C'est ton père? Non. C'est mon oncle. C'est le frère de ma mère. Opéré il y a un mois pour un kyste. Il a traité la cortisone depuis 2 ans. Il y a eu des complications. Ça aurait pu me prévenir. Ton père pensait que si tu revenais après si longtemps, elle se douterait qu'elle était condamnée. Est-ce qu'il a souffert? À la fin, il y a bourré de drogue. Est-ce qu'elle m'a demandé? Non. T'as jamais répondu à ses lettres. Elle a toujours vécu en ayant peur de ton père. Comment va ton enfant?
Voilà. Elle m'a donné ça pour toi, avant d'entrer à l'hôpital. Est-ce que papa sait que t'es ici? Non. J'ai simplement dit que je te ferais prévenir. Ça fait 8 ans que j'habite dans la petite maison, en arrière du moulin. J'ai fait un testament. La maison et le moulin, ainsi pour toi, avec les terres d'Apremont. Le reste, pour lui. Ça, c'est trop cher. Ça aussi. Ça, elle l'a déjà. Quand pour se laver la tête? Une douche vaginale! Arrête. Hey, Pierre, on l'a démaquillée. Mais depuis le temps, tu devrais le savoir qu'elle se maquille pas, maman. Excuse-moi. Lui donneriez 16 ans, et pourtant, elle en a 65. Quel est son secret? Voilà ce qui arrive quand on se maquille pas. Hey! Hey! Faisait quoi au juste ton père avant de mourir? Il était poète. Tu peux pas. Pourquoi? Ben, les poètes, on les connaît bien. Il y en a pas un maudit qui s'appelle Prenet. Ben, il s'appelait pas Prenant, puis de toute façon, personne le connaît, parce que ma mère, elle veut pas donner ses poèmes pour en faire un livre. C'est grave. On vient chez nous, on a des cahiers pleins. Même souvent, j'en récite avec ma mère. C'est en dont un? Il y en a un qui s'appelle L'État. Glissant sur l'étang gris, allongé sous la pluie, ombre mystérieuse échappant aux tempêtes. Les oiseaux du matin surgissent de la nuit pour célébrer en rond leur éternelle fête. Ils tombent du ciel bas avec des bruits mouillés dans des nids de roseaux qui les enferment en eux pour cacher leur amour aux hommes éveillés qui viennent dans des barques surprendre leur aveu. C'est tout? Ben non, ça continue comme ça. Les deux enfants perdus, se tenant par la main, voient revenir les barques chargées des oiseaux morts et restent immobiles en espérant encore entendre leur bruit d'amour sur l'étang du matin. Bien en retard. C'est le livre que j'avais besoin pour mon exposé. Robert me l'a apporté. Son père l'avait. Tu t'achèteras autre chose avec l'argent. Ben non. Je t'ai acheté un cadeau. Tu devines pas ce que c'est? C'est quelque chose qui sent bon puis qui repose. Tu devines pas? Pourquoi tu fais ma valise? Ta grand-mère, Henriette, ma mère, elle était malade depuis déjà un an. Je voulais pas t'en parler. Demain matin, on va passer par la Malbaie, comme ça on pourra prendre le traversier. Petit Pierre, tu vas voir âprement. Mmh.
Garde-en quelques-unes, on n'est pas encore arrivé. C'est laquelle, notre montagne? Celle de l'oncle Norbert? Je pense qu'on la voit pas d'ici. Elle doit être un peu plus loin, en arrière d'Apremont. C'est là où il y a les étangs? Oui, mais un petit peu en arrière de ça. On va y aller, hein? Oui, mais si la route n'est pas inondée. Est-ce qu'on va aller en canot comme tu faisais avec papa? Ben non, en canot, c'est bien trop loin. Puis le moulin de pierre? Je pense qu'il est un peu à gauche de l'église. Grand-papa, est-ce qu'il va vouloir se faire photographier avec moi? Pourquoi pas? Il était pas fâché comme nous autres? Ben, avant, oui, mais... Maintenant, il va se sentir un peu seul, hein? Est-ce qu'on va revenir après? Ça dépend. Si on s'est fâché, c'est de sa faute après tout. Il se mettait en colère au seul nom de Jean-Emmanuel. Pourquoi? Il nous trouvait trop jeunes pour vivre ensemble. Je pense qu'on est mieux de ne pas parler de ton père devant lui. De toute façon, il déteste les poètes. Puis moi? Toi, il va t'aimer, toi. Tout le monde t'aime. Elle a beaucoup souffert. Je regrette. Tu veux bien? J'aurais préféré partir le premier. Installez-vous dans ta chambre. Tout est resté comme c'était. On a rajouté un lit. On t'a attendu pour fermer le cercueil. Tu viendras quand tu voudras. Bon, il faut que j'aille donner à manger aux chiens. Ta veste salle de bain là pour toi tout seul. Oui. La maison a été construite par un Anglais, un directeur des chemins de fer. C'est un vrai hôtel, il y a 5 salles de bain. C'est qui ça? Je le reconnais pas? Jean-Emmanuel. Mais non, petite nouille. T'as le livre à la maison. Fanfan la tulipe. Gérard Philippe, tu t'en souviens pas? Pourquoi t'avais sa photo? C'est un grand acteur. Il est mort quand j'avais ton âge. Cherches-tu quelque chose? Non, non. Je regarde. T'en avais beaucoup? Oui. Ma mère me gâtait, j'étais fille unique. Oh, regarde ça. Ça, c'est ma première robe de bal. J'avais juste 16 ans. C'est Albertine qui l'avait faite.
Maman en avait trouvé le modèle dans une revue française. T'allais dans les bals? Oui. Mon père était toujours invité. Ici, le notaire, c'est un homme important. Puis moi, ben, j'étais la fille du notaire. C'est drôle. Entrez. Albertine. Marie-Louise. Oh. T'as pas changé. Oh oui. Je suis plus ben ben vaillante. 72 ans en juin. Et toi, mon Pierrot, c'est quand ton anniversaire? Le 5 mai. Oh! Tu viens tout juste d'avoir... 12 ans. Oh, qui aurait pu croire, hein? Ma petite Marie-Louise. Enfin, c'est la vie, hein? Le curé vient d'arriver, faudrait bien que vous y alliez. On va se revoir, hein? Ce garçon, il va venir nous voir maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as montré la force de ton amour, Seigneur, quand ton Fils voulut souffrir pour nous jusqu'à mourir sur une croix. Aujourd'hui, nous comptons encore sur ta tendresse et ta puissance. Accorde à ta servante Henriette, notre sœur, de partager la victoire du Christ sur la mort et de communier à sa vie de ressuscité pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tu guettes la sœur de mon père. Mon oncle Henri. C'est petit Pierre, mon fils. Quand on a passé la nuit dans un moulin, puis que mon père et puis mes oncles nous cherchaient sur le fleuve. Mais c'est pas un vrai moulin. Ben là, il est abandonné depuis plusieurs années. Mais quand j'étais petite, il y avait encore toutes les fenêtres puis la machinerie. Comment vous étiez venue? Ben dans ce temps-là, la route n'existait pas, tu sais. Alors on était venus en moto, en profitant de la marée basse. Puis mon père, il criait... Marie-Louise! Puis mes oncles ajoutaient Jean-Emmanuel! Pourquoi vous vous cachiez? Pour faire enrager nos parents. Puis Jean-Emmanuel, il était un peu fou. Il disait que passer toute une nuit tout seul au bord du fleuve, ça nous ferait communiquer avec les esprits de la mer. Et puis? C'est avec le médecin qu'on a communiqué. On est rentrés tous les deux avec une bronchite. Ça l'a pas empêché d'écrire un nouveau poème. Il l'avait appelé « Le voyageur mort ». Ah oui, je sais. On y va? Vas-y, toi, je vais prendre des photos. Allez, vite.
C'est-tu que papa y travaillait? Oui, les premières années. Après ça, il préférait travailler en forêt. Avec les bûcherons? Oui. Robert dit que les poètes, ça ne travaille pas. Dans l'ancien temps, peut-être. Jean-Emmanuel, il aimait ça partir en forêt au lever du jour. Avec les chiens? Oui. C'était les parents de celui-là? Oui, on a toujours eu des griffons. Puis quand tu rentrais dans la maison, tout mouillé, il abîmait tout, hein? Oui. Puis ton père, il disait... laisse-les faire, les tapis, ça se remplace, mais pas ces chiens-là. Des fois, il me semble que je m'en souviens. Tu sais, t'étais bien petit. Pourquoi ce matin, à l'enterrement, tu m'as pas montré la tombe de Jean-Emmanuel? J'avais peur de te faire de la peine. Je l'ai vu. Jean-Emmanuel Moreau, 26 août 1944, 13 septembre 1965. Puis moi, je suis née en 1966. J'étais enceinte de toi quand il est mort. Pourquoi tu m'as dit que je l'avais connu? Ben, tu comprends que c'était bien important pour toi quand tu étais tout petit. Et puis... Mais la vérité, c'est que Jean-Emmanuel y est mort pendant que j'étais enceinte de toi. Je comprends. Tu as bien réfléchi. Tu veux vraiment pas rester? Non. Tu peux pas savoir, ta mère et moi, jusqu'à quel point on a été malheureux. Je pense que pour moi, c'était facile. Je sais. On a souvent demandé tes nouvelles. Mais maintenant, tu devrais penser à l'avenir de ton fils. Les temps ont changé, Marie-Louise. Toi aussi, tu pourrais faire une vie. C'est pas normal que tu sois obligé de travailler comme tu le fais. Ton fils serait heureux ici. T'es sûr de ça? Il aurait tout. Une famille. C'est important pour un garçon, un avenir. L'avenir? Pierre et moi, ça fait 12 ans qu'on le fait ensemble. En tout cas, si jamais tu changes d'avis, la maison est ouverte. Tu vois, tout est resté comme avant. Bon, Pierre, si tu veux revenir par le traversier, il faut partir tout de suite. Dessert. Ah. Tiens. Oh, tu sais, les éclairs au chocolat, c'est pas bien ma spécialité. Enfin, j'espère qu'elles te plairont quand même. Tiens. Merci, madame. Merci. Au revoir. À bientôt, Pierrot. Attends une minute, maman. Prends une photo de moi avec grand-papa. On n'a plus de film, Pierre. Ben oui, je viens d'en mettre un autre.
une autre. Dominique, c'est pour toi. Allô? Oui? Vraiment, c'est sûr, là? Bon. OK, lundi matin. Merci beaucoup. Bonjour. Je l'ai, ma job! Oh, pauvre Madame Fisher! Elle pourra plus me dire, Dominique, 9h06, c'est pas le verre! Tu démissionnes quand? Tout de suite! Oh, ce soir, j'offre le champagne. Garde-moi bien! Salut les filles! Yahoo! Attention, ça sent les enfants! C'est du champagne espagnol, hein? Hey, ça coûte pas cher, puis ça va bien plus vite à la tête. C'est dommage, pour une fois qu'on était juste entre filles. Moi, je compte pour du bas. Oh, pardon. Oh. Attends un peu, toi. On va voir si t'es un homme. Bruno, donc. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu vas être grand? Parfait, mon garçon. Il va pouvoir me soigner. Écoute donc, vous avez même pas un chat dans la maison. Aimes-tu vraiment les animaux? Ben oui. Quand j'étais petit, on avait deux grands chiens, des griffons. Oh, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un singe à la maison. Mon père a jamais voulu, hein? Des singes, ça pisse, puis ça pue. C'était comme ça qu'on fait les enfants frustrés. Oh, excuse. Oh, en tout cas... C'est pas en restant en banque que ta mère va te payer tes études de vétérinaire, mon garçon. Tu devrais dire. Arrête, on change pas de métier comme ça. Je leur ai dit, en tout cas. Je leur ai dit, c'est une fille belle, jeune, d'allure sportive, un sourire permanent, parfaitement bilingual, hein? Avec l'espagnol en prime. Très, très bonne éducation. Peut vraiment être mise entre toutes les mains. Ils m'ont dit, c'est en plein ça qu'on cherche. Mais la place restera pas libre longtemps. Si tu la prends pas, moi, je vais la prendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Hmm? Je suis d'accord, mais... Combien t'as-tu mis de vacances en été? 10. T'entends ça, Marie-Louise? À l'agence, en te faisant remplacer, tu peux y tirer tes congés. On peut apporter ça, il y a pratiquement pas de congrès l'été. Hein? Cet été, j'irai pas au camp. On va aller à la mer avec Marie-Louise. Comment ça? Ben, elle change de travail, puis elle va gagner le double. Ce qu'elle va faire? Hôtesse. Dans les avions? Ben non, dans les hôtels. Pour les congrès. C'est quoi, ça? Ben, c'est des gens qui se réunissent de tous les pays, qui ont besoin des hôtesses pour les guider. Hé, hey, Bruno, tu dors? Allez, vas-y. Oui. Oui. Ah ouais, let's go. Commence-moi ça tout de suite. D'accord? T'es capable, tu peux filer en fait. Oui! Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je n'en ai que deux. Et brusquement, ils pleurent à gros bouillons.
tout entourés qu'ils sont d'habiteuses en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montent hors du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant, il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure, c'était lui lorsque je disais allô. Il. Allô. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'eau. As-tu mangé? Ben oui. T'as-tu fait la vaisselle? Ben non, t'as pas mangé, toi. Comme c'est deux à ton tour de faire la vaisselle. Infiniment. Ok, je vais la faire, mais laisse-moi respirer. C'est ça que t'appelles manger? Ben non, j'ai réchauffé le macaroni. C'était bon. Qui gagne? Je sais même pas. T'écrivais des poèmes? Non. Je copiais un des poèmes de papa. Pour Fabienne. Tu t'es maquillée? Oui, c'est pour mes photos. Je vais avoir une carte. Chaque fois qu'on va aller à un hôtel de la compagnie, ici ou n'importe où dans le monde, on va payer seulement 10 dollars au lieu de 30 ou 40. Même pour moi. Je mène qui je veux. C'est qui celui-là? Mon frère. Ton frère? Es-tu capable de garder un secret? Ben oui. C'est Ludovic. Il est eurasien. Ah. Tu demandes pas pourquoi? Pourquoi quoi? Tu vois pas qu'il est moitié blanc, moitié jaune? Ben là, il est plutôt noir et blanc. Petit con, tu vois bien qu'il est moitié chinois, moitié français. Puis après? Mon père était officier. Il a fait la guerre d'Indochine avant qu'on vienne ici. Il avait une femme là-bas, une vietnamienne. Il n'a pas voulu la ramener, mais il a ramené Ludovic. Il aurait mieux fait les laisser là-bas. Pourquoi? C'est un vicieux. Moi aussi, j'ai un secret. Mon père, il est mort quand j'étais petite. Je sais. Souvent, il vient me parler. Dans les rêves? Non. En plein jour. Comme je t'entends, toi. Et il te dit quoi? Il me parle de quand j'étais petite. Puis toutes sortes d'affaires. Trouver les brioches. On les mangera demain. Ce soir, c'est l'anniversaire de Robert. As-tu acheté un cadeau? Non, j'ai pas envie d'y aller. Vous êtes fâchée? Il raconte partout que les hôtesses couchent avec les clients. Qu'est-ce qu'il prend? Il est fou, lui? Il dit qu'on les choisit jeunes et jolies pour faire plaisir aux hommes. C'est un peu vrai. Sur cette terre, tout est fait pour les hommes. C'est vrai. Si t'avais été laide, tu serais resté à la banque? À la banque aussi, quand ils engagent les filles, ils choisissent les plus jolies. C'est écœurant, hein? T'as pas choisi la fille la plus laide de ta classe? C'est pas pareil. Si Robert raconte des choses comme ça, c'est sûrement parce qu'il est jaloux à cause de Fabienne. Avant, tu te maquillais pas. Avec l'uniforme, on peut pas faire autrement. Il y a tellement de peau de crème dans la salle de bain, je peux plus mettre ma brosse à dents. Hey, petit Pierre, de quel pied tu t'es levé ce matin? T'as vu la lettre de grand-papa? Quelle lettre? Une lettre pour toi. Je l'ai mise dans ta chambre sur ton lit pour que tu la trouves.
Je suis rentrée tard, j'ai même pas allumé. Oui, je sais. T'as même pas vu mon message. Le regard de ma mère. Comment t'as fait ça? En me dessinant, moi. T'es un amour. La vaisselle, c'est à toi ou à moi? Non. C'est à toi. Laisse-moi un peu d'argent. Peut-être j'irai chez Robert. Je sais pas finalement si j'y vais. Tu verras bien. Je vais rentrer de bonne heure. Si tu vas pas chez Robert en revenant de l'école, pour aller au supermarché. Je vais la lire à l'agence. De toute façon, c'est toujours la même chanson. Pourquoi tu travailles en ville quand tu pourrais rester ici à rien faire? Aimerais-tu ça vivre à Apremont? Peut-être. Grand-papa, il m'a encore envoyé 5$ dans une enveloppe. Ah bon, j'espère qu'il te donne de ses nouvelles au moins. J'y avais posé une question dans une lettre. Sur Jean-Emmanuel. Oui? Il dit qu'il t'aimait bien. Est-ce que Pierre est levé? Il est levé, mais il n'a pas fini de déjeuner. Tu peux monter si tu veux. OK. Soyez pas en retard à l'école. Non, non. Was 3/4 French. Oh, really? Yes. The English territory was like an handkerchief, some 200 miles along the Atlantic coast, and Florida was Spanish. I suppose you were taught that in all those French textbooks, huh? Louisiana was French, and Ohio and Mississippi, from the Appalachian Mountains to the Rockies, from the Gulf of Mexico to the north of Hudson Bay. It was the largest country in the world. And what was this country called? La Nouvelle France, monsieur. La Nouvelle France? Yes. There were 20 Englishmen to every one Frenchman in America. That's why the French were so courageous. Well, here we are. This is the Chateau Ramsay, built in 1705. The guide will show you inside. Merci. Excusez-moi, je suis confus pour mon français, mais je suis admiré votre histoire des grands voyageurs. Quand je raconte cette histoire, il y a seulement les Français qui me croient. J'ai passé des années à Aix-en-Provence, à l'université, au début des années 50. Oui. William Sinclair, I'm giving this to you as a hostess, but not really. Really, it's because you are a teacher and one who was also very pretty. Yes, sure. Dominique, do you have any plan for tonight? Yes. Oh, it's 2:00. Oh, sorry. I have to phone my husband. Are you sure you have to do that? Oh, yes, sorry. Excuse me. Bye. Combien d'invitations à souper? Une. Ah, y es-tu beau? Non, mais sympathique. Ah, sympathique. C'est lequel? C'est un gars qui vient de San Francisco. Pas français. Tourne-toi pas, il va voir qu'on parle de lui. J'espère que tu vas accepter, l'autre. Marie-Louise, ça fait 2 ans que tu t'es pas tapé un gars. J'ai pas besoin de ça.
mademoiselle. Ça te plaît? Je pensais que tu serais pas capable. De quoi? De manquer l'école toute une journée. C'est la première fois. Je sais. Tu me raccompagnes. Comment il va ton Eurasien? Mon frère, il jaunit. L'hiver, il devient vert, l'été, il jaunit. Mon père veut lui payer une moto pour ses 17 ans. Ma mère dit qu'il va se tuer, qu'on en sera débarrassé. Trouves-tu qu'on vit dans un monde qui est fait pour les hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ma mère. Elle dit que les hommes commandent partout. C'est les vieilles et les laides qui disent ça. Et ton père, comment il va? Ça fait longtemps qu'il vient plus me voir. T'es drôle, toi. Voilà, t'as compris? Je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Même à ma meilleure amie, j'ai jamais été capable de dire la vérité. Peut-être parce qu'on se reverra jamais. Vous avez dû vous sentir bien seul. Oui. La première nuit à Montréal, je pensais devenir folle. Heureusement, j'ai trouvé du travail tout de suite. Mais le soir, quand je revenais chez nous, je relisais les poèmes de Jean-Emmanuel 10 fois, 20 fois. C'était tout ce qui me restait. Après, vers la 5e mois, quand le bébé a commencé à me donner des coups de pied, là, j'ai repris courage. J'ai aperçu que je serais plus jamais toute seule. J'ai partagé un logement avec une amie. Elle adorait petit Pierre. Maintenant, elle est mariée. Vos parents n'ont pas cherché de vous revoir? Ma mère est venue 2 fois avant l'accouchement. La cachette de mon père. On n'a pas eu le temps à pleurer. Lui avez-vous dit qui était la père? Non. Elle adorait son frère Norbert. Elle m'aurait pas cru. Je crois pas. J'avais aucune raison de retourner à Apremont. Mais après, j'ai une seule idée en tête. Que Pierre soit heureux. Qu'il soit comme tous les autres. Est-ce qu'il vous ressemble? On dit que oui. Mais le plus étrange, c'est que des fois, quand je le regarde, j'ai l'impression de voir Jean-Emmanuel.
tu pourrais peut-être m'aider, non? OK. Mais il faut lire ça avant de partir. Pas rouler à plus que 80 km/h. Mm-hmm. Puis à chaque 1000 km, il faut changer d'huile. Est-ce qu'on va être dans le Maine? À 1000 km, oui, on risque d'être dans le Maine. Salut, Robert. Allô. Regarde. On a une tente pneumatique, on n'a pas besoin de piquet. Puis un compresseur. C'est pour les pneus puis la tente. Ouais, tant qu'à faire du camping, j'aime autant pas partir en vacances. Sérieux, je suis fatiguée. Couche-toi. Tu vas te reposer maintenant? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. T'avais pas dépassé pour dormir? Non. Ouvre ton sac. On va faire un grand sac avec les deux. T'es toujours avec moi. Ben oui. Pourquoi tu dis ça? Tu grandis, petit Pierre. T'es presque devenu un homme. Un homme? Moi? Ça change rien. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ben, c'est les vacances. Tu vas te reposer. Oui. T'as trop travaillé cette année. Ça fait 3 mois que tu dors pas. Ah oui, dors. Tu sais, un jour j'ai manqué l'école. Ah oui, quand? Au début de mai. Tu me l'avais jamais dit? Ouais. C'était une semaine où tu étais jamais là. Étais-tu tout seul? Avec Fabienne. Est-ce qu'elle redouble, Fabienne? Es-tu folle? C'est la meilleure. Il est midi. Il faut que je téléphone à l'agence. Encore?
Operator, I would like to place a collect call to San Francisco. Mr. William Sinclair. The address is P.O. Box 5501, Riverside. At the hotel, I'm sleeping in a tent. What's the weather like? Not too bad. Do you know Ogunquit? Is that in Maine? Yes. You gonna call me tomorrow? If you like. After that, I have to return to Montreal. Why don't you come to San Francisco? That's impossible. Listen, you must not write to me. Okay. That's what you want. But will you write to me? Maybe. But don't try to get in touch with me again. Jean-Emmanuel. Je te l'ai dit 100 fois. Exactement comme moi. Oui. Si papa n'était pas mort, est-ce que vous auriez eu d'autres enfants? Probablement. Je sais pas si j'aurais aimé ça, avoir des frères puis des sœurs. Pierre? Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Jean-Emmanuel. Quand tu étais petit, j'ai commencé à te parler de ton père. Tu comprends, il fallait bien que je réponde à tes questions. Mais la vérité, c'est que Jean-Emmanuel, c'était mon cousin. Le fils de la sœur de mon père. Ben, je le savais. Comment ça? Ben, le jour de l'enterrement, après moi, j'ai tout entendu. Quoi? Ben, des vieux, des parents à toi, disaient que t'étais la cousine de Jean-Emmanuel. Je m'en fous, je l'ai même dit à Fabienne. Même qu'autrefois, les rois, ils se mariaient toujours entre cousins. Mais il y a autre chose, Pierre. Quelque chose de grave. Oui, je sais. Non, Pierre. L'accident de moto, c'était pas un accident. Ça fait rien. Tous les poètes, ils se suicident. Je l'aime pareil. Viens, on va aller se baigner. T'as pas beaucoup écrit? Ben, je t'ai appelé plus que 20 fois, puis t'étais jamais là. Ma mère est en dépression. Ils m'ont mis dans une ferme à Saint-Césaire pour la fin des vacances. Pas changé. Toi, oui.
J'espère que je ne vais pas me le faire voler. Ils ont grossi, hein? Toi, t'as encore des souliers de curé. Tu sais, toi, je crois que je t'aime. Un Américain. Il s'appelle William Sinclair. Il parle assez bien français. Il est directeur d'une usine à San Francisco. Une usine de quoi? Des appareils électroniques. Ils font de la recherche. C'est une petite usine. Pourquoi il m'invite, moi? C'est moi qui voulais que tu viennes. Je l'ai vu juste une fois au printemps. Il était venu ici pour un congrès. Il n'a pas d'enfant, puis il vit seul depuis 3 ans. Si tu l'as vu juste une fois, pourquoi tu dis que c'est ton ami? Je n'ai pas dit que c'était mon ami. J'ai dit que c'est un ami. Un bon ami. Il m'a écrit. Il voulait me revoir, mais moi, j'ai toujours dit non. Mais là, il est de passage. J'aimerais ça que tu me dises ce que t'en penses. C'est pour ça que tu me fais manquer l'école. C'est important, non? Attends. Une dernière chose. Le médaillon. Je t'avais dit que c'était un groupe de clients qui me l'avait offert. La vérité, c'est que... Ça fait rien, j'avais compris. Ouais, viens-t'en. Oh, we were playing hide and seek. Cachette? Huh? Joanna hides herself in the refrigerator. And before she went in, she unplugged it, you see? Well, it was an old refrigerator. This was in the 1940s. Mm-hmm. And they have a door handle which latches, so closes very firmly. Joanna had locked herself inside, right? Sa sœur s'est enfermée dans le frigo. I was 10 years old, real little devil. What do you say then? Espiègle. Espiègle? Espiègle. Espiègle, oui, J'avais deviné où se cachait Joanna. I knew where she was. So I plugged the fridge back in, you see. Then I said, Joanna, I'm fed up with this game. I can't find you. I'm leaving, Joanna. I'm leaving. Je criais à toute tête. Puis Joanna, qu'est-ce qu'elle faisait? Oh, elle criait, elle aussi. And then I could hear her screaming inside, saying, William, William. And I pretended I couldn't hear a thing. How long did you leave her in the fridge? Oh, it was my mother who heard her screaming and rescued her. I spent the rest of the day in my room. Hey, Pierre, garde une place pour le dessert. Eh? He's a very healthy kid. He eats everything and never gets fat. His only weakness, his only sin is gluttony. Mm-hmm. He's costing me a fortune in chocolate eclairs. He's also a good cook. Sometime for a special occasion or if I happen to be late, he will cook me a very nice surprise. C'est bon, ça. C'est bon? Ouais. Le homard aussi, tu sais, c'est bon. Peut-être pas autant que ceux qu'on a mangés en vacances. Tu t'en souviens? Ah ouais.
Quel sport pratiques-tu? Aucun. J'aime pas ça. Au deuxième couplet. L'anglais, ça me fait chier. C'était drôle. Passe-moi le costume de Johnny Fred. Contente-toi. Tu m'aimes? Te retourne pas. Ouais. Dis-le-moi. Je t'aime. Ouais. Ah, c'est un film d'horreur. Ok. À demain. Puis? Salut bien ta mère, William Saint-Clair. Tu me crois, là? T'es un client de ta mère? William? C'était un ami de mon père. Il allait prendre ses vacances à la promo. C'est pour ça qu'il parle français. Ah, Fabienne est malade. C'est pour ça qu'elle n'était pas à répétition. Puis elle vous dit bonjour. Malade? Ouais. Je viens juste d'y parler. Tu sais pas compter sur tes doigts. Demain, la Fabienne va arriver avec son pantalon de velours en se traînant avec une face comme ça. Mmh. On voit bien que t'as pas de sœur, toi. Je sais très bien de quoi il parle. Depuis qu'elle buzz avec Ludovic, Fabienne a ses menstruations douloureuses. Voyons donc, Ludovic, c'est son demi-frère. Il dit ça pour me faire chier. Fais pas semblant de pas savoir. François a tout raconté à l'école. Elle était chez Fabienne pendant les vacances. T'es au bord de la mer, toi. Fabienne est assez grande pour se défendre, pis c'est pas Ludovic qui fait peur. C'est elle qui a emmené Ludovic dans la chambre de ses parents. Lui riait comme un fou. Elle l'a déshabillé. Françoise a tout vu. Ils ont même pas fermé la porte. Puis je te jure qu'il faisait pas semblant. Elle criait, Fabienne. Et même quand il a demandé de recommencer deux fois. Attends, bouche à coin, ça, hein? Je te crois pas. Quand les parents sont revenus, ils ont trouvé dans le lit. Le père a failli tuer Ludovic. Ça, c'est Fabienne qui me l'a dit. Il était complètement fou, le bonhomme. Fabienne, elle t'a rien dit du tout. Puis Françoise, c'est une maudite menteuse. Puis toi, j'aime autant mieux rien dire. Et même si c'était vrai, cette histoire avec Ludovic. T'es pas mon père, non? J'attends. Toi, dans deux minutes, Fabienne. T'es bien bébé, des fois. Tu devrais être content. Je serai avec personne d'autre. Mais pour ça, avec toi, j'ai pas le goût. Sophie et Francine, elles ont le même âge que moi. Elles sortent avec des garçons de 17 ans, elles. Mets ta perruque. Je vais me concentrer.
triomphale à Atlantic City. Le journal des vedettes nous promet son mariage avec Diane Dufresne. Il a obtenu 2 années de suite le premier prix de poésie. Il adore les éclairs au chocolat. Il va nous réciter un poème de son père, Jean-Emmanuel, j'ai nommé Petit Pierre Pommard. À la tête du lit, un rameau de jasmin. Sur la table, une orange bleue. Tu dors, brûlante, des soleils de minuit. Femme, madone, infante, réconcilie. Marie-Louise des matins. C'est le printemps, il pleut. Tu me regardes, grave. Tu écoutes la mer qui se souvient du vent et qui nous berce. Tu sais, lucidement, emporté loin de moi, ma vie comme une épave. Je voulais fuir, je suis restée, émerveillée. Toi, réticente encore, attentive à te rendre en toute loyauté, attentive à attendre la fin de notre adolescence ensoleillée. Aux portes d'Apremont, c'est une maison blanche, aux volets noirs. Nous vivons à contre-saison. En effeuillant patiemment le temps des cueillaisons, orchidées, lys, myosotis, dahlias, pervenche. Jean-Emmanuel Moreau, Apremont, 1er mai 1965. Les avions ont l'air de décoller. Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il y aurait de ça il y a un an au party de la banque? Il n'y a rien de fait. Bon, arrête ça. Tu vas nous revenir enceinte avec une Cadillac à chauffeur. C'est fou. Air Canada 967 à destination de San Francisco est maintenant prêt pour embarquement. Les passagers sont priés de se présenter immédiatement. Pierre! Tu vas voir chaud. Viens. Bon voyage, Pierre. Oublie pas ta Dominique, hein? Merci, Dominique. On s'appelle. On s'appelle, hein? Puis il manque pas ton coup chanceux. Thank you.
tu fais pas de photos? Je l'ai faite. Ça doit être les rocheuses. Ouais. Il y a de la neige seulement sur les sommets. Ça doit être agréable de faire du ski dans les rocheuses. Merci. Fais du champagne. Jean-Emmanuel, c'était pas un vrai poète. Pourquoi tu dis ça? Ces poèmes, ils valent rien. Tu sais, il était très jeune. Nilgan et Rimbaud, ils ont tous écrit à 18 ans. Ça se compare pas. Moi, il y en a quelques-uns que je trouve très beaux. Je me demande si t'as pas tout inventé ça. Inventé quoi? Tout. Mais Pierre, les cahiers, t'es as vus? T'as vu Apremont, t'as vu le moulin, t'as tout vu? Ouais. À côté. C'est tout en anglais. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien à lire. Tu n'auras pas beaucoup de temps. Puis après-demain, William pourra t'amener dans une librairie. Qu'est-ce que tu penses de la maison? Elle est grande. Puis William? Il est gentil. Tu te trouves pas un peu vieux? Non. Pour un homme riche, il est simple. Tu penses pas? Ouais. Demain, les sœurs de William vont venir. Elles ont des enfants de ton âge. Il y en a deux qui apprennent le français. Tu t'habilles pas? Tu veux vraiment que je mette ce costume-là? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Pierre. Joyeux Noël, Pierre. Et maintenant, les cadeaux. Ah. Qu'est-ce que c'est? Pour toi, Pierre. Ah, ça, c'est pour Pierre aussi, tiens. Et celui-là, c'est pour vous. Ah, pour moi. Qu'est-ce que c'est?
Une montre au quartz. Je savais que c'était ça. Tu peux la garder pour aller dans l'eau. Elle est meilleure que celle de Robert. D'Eskimos. Quelque chose que je voulais toujours. Pierre m'a aidé à la choisir. Merci, Pierre. Merci. But first, here's something that shines. Merci, Pierre. Merci. Ça va être beau sur ma robe blanche, hein? Voilà, champagne. Oui, le champagne. Toi. Pierre. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Pierre. As-tu faim, Pierre? Non. On peut apporter des biscuits à la messe. Ma mère nous les donnait toujours. C'est bien. La différence d'heure entre Montréal et San Francisco. Tu as du Noël, Pierre? Oui. Bon, quand nous finirons nos verres, nous partirons. On a tout le temps à visiter San Francisco. À l'église, les places sont réservées. Bon, ben, allons-y tout de suite, moi j'ai hâte. Je pense que je vais rester ici. La messe de minuit, Pierre? On n'a jamais manqué la messe de minuit. Je vais t'attendre ici. Pierre. It's okay. Il n'est pas nécessaire d'y aller. Mais non. Fais un petit effort. Après, on va réveillonner. Je suis fatiguée. Mais t'es quand même pas pour rester ici toute la nuit, tout ça. Pourquoi pas? Ma sœur plus âgée habite 3 maisons d'ici. Elle sera heureuse de rester ici pour la nuit. Non, ça n'a pas de sens. Pierre, monte dans ta chambre. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, Pierre, ça fait 12 ans que... Ok, je t'ai pas demandé ton avis. Il n'y a rien de décidé. On est venu ici pour Noël, seulement pour Noël. Pour réfléchir. Je te reproche rien. Ce soir, je vais sortir avec William. On va aller à la messe de minuit. Tu n'es pas obligé de venir. Écoute-moi bien. Si on avait décidé d'aller à la messe de minuit, c'est pour toi bien plus que pour personne d'autre au monde.
Dépêche-toi, sinon t'auras pas le temps de visiter San Francisco. Je sais pas ce qui me retient de... Tu le sais, t'es tout pour moi, tu le sais. Je vais pas aller à la messe du minuit. Je me fous de la messe de minuit. D'ailleurs. Tout ce qu'on a vécu ensemble, Pierrot, c'est ça qui est important. Puis c'est à nous deux, juste à nous deux. Hein? Je meurs de fatigue. On va aller se coucher. Hein? Je vais dire à William que je meurs de fatigue. Non, maman, tu vas sortir. Toi, Pierre? J'aime mieux rester ici. Tout ça. Dis à William qu'il laisse monter les chiens. Pierre est orgueilleux. Tous les prenants, d'ailleurs. Ils ont l'air fragiles, mais... Et en réalité, c'est... Ce sont des êtres forts. Leur vérité leur suffit. Ils veulent pas qu'on les aide. Je comprends, mais... Pierre sera content ici. Peut-être. Je vous aimerais. Je veux que... C'est pas possible. Mais pourquoi? Pas tout de suite. Pierre est très troublé en ce moment. Il faut lui laisser le temps. Le plus vite vous serez ici, le plus vite il trouvera des amis. Nouveau. Peut-être. Vous n'allez pas continuer à travailler. Mon métier, on sait dur. Il faut donner à Pierre le temps de tout comprendre. Vous savez, un garçon à 12 ans, c'est bien compliqué.
Allô? Monsieur Prenant? Oui. Qui parle? C'est Pierre. Pierre? Ah, Pierre. Il est arrivé quelque chose. Non. Ah. Tu m'appelles en pleine nuit. Mais ici, il est juste minuit. Où êtes-vous donc? À San Francisco. Ah. Marie-Louise est près de toi? Non. Elle est partie à la messe. Non. Tu es dans un hôtel? Non. Chez un ami. Pour les vacances? Ouais. Est-ce que tu vas venir à Promont? Je sais pas. Tu es bien. T'as pas de problème. Non. Je voulais juste vous dire joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Tu embrasseras Marie-Louise. C'est ça. Joyeux Noël. Ok. Joyeux Noël.